Par Johamar, c'est, je dirais presque, l'hymne de la fête de Soukhot. Dans la perspective de cette fête fabuleuse avec tous ces symboles, la souka, du loulav, je voudrais pas vous développer tous ces aspects. Nous allons avoir une émission spéciale veille de Soukhot lundi après-midi et j'aurai l'occasion. Alors, pour la construction de la souka, pour le choix du loulav, ça sera un peu tard, je l'avoue, mais on aura l'occasion de rentrer un peu plus dans les détails, des symboliques, des messages qui peuvent se trouver. Ce que je vous encourage, c'est certainement dans toutes les synagogues ce Shabbat, les rabbins vont développer les lois sur la souka. Sachez que c'est pas si simple, que c'est pas une cabane, il y a beaucoup de halakhot, il y a beaucoup de lois, il y a des choses qu'on pourrait penser qui peuvent se faire et qui ne se font pas, et des choses qui ne se font pas et qu'on fait. Alors, c'est bon d'étudier. Alors, une veille dans le cadre d'une petite émission comme la nôtre, pas toujours évident de donner tous les détails. Et j'ai préféré consacrer notre moment à ce lendemain de Kippour, parce que c'est pas tous les ans qu'on a justement le lendemain de Kippour une émission spéciale veille de Shabbat, parce que le lendemain de Kippour, c'est un jour très spécial. Ce matin, dans la Tefila, dans la prière, on a rajouté le psaume 85, Ratzita Hashem Artzecha, un psaume qui évoque notre proximité avec Hashem, un remerciement à Hashem qui a pardonné nos fautes au passé. Nasata avon amecha, tu as pardonné la faute de ton peuple. Kisita kol chatatam, tu as recouvert toutes leurs fautes. Ce psaume qui est d'une puissance extraordinaire, qui parle de prière pour l'avenir, pour multiplier le chassadim vers Meraïs Mechoubar, ton peuple va se réjouir. Arinu Hashem Chazdecha, fais-nous voir Hashem ton chesed. Et puis cette proximité, cette intimité qu'on peut avoir avec Hashem, grâce à la Teshuvah, Eshmé Amay Edaber Akel, je vais entendre, écouter que Dieu, qu'est-ce que Dieu va dire? Ki Edaber El Amo Vel Chassidav, Arkarov Liriav, car Dieu va parler à son peuple et à ceux qui lui sont proches, ses Chassidim. Arkarov Liriav, il est proche de ceux qui le craignent. Et la Bracha, cette bénédiction, cet influx qui vient de Dieu, fabuleux de ces versets extraordinaires, Chesed Vemet Nifgeshu, la bonté et la vérité se sont rencontrées, ou je dirais presque se sont heurtées. C'est au moment de la création. Au moment où Dieu a créé l'homme, il est marqué Naase Adam Betsalmenu, nous faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme au pluriel, à la première personne du pluriel. Dieu est pas seul. Non, il est marqué. Dieu a créé au singulier. Vayivra Elohim, Dieu a créé au singulier. Mais quand Dieu va le créer, il va demander conseil aux anges. Et on va lui dire que les anges se sont formés en partis politiques. Et il y avait les pour et les contre. L'ange de la bonté, la générosité a dit, l'homme doit être créé. Parce que l'homme aime faire le bien. Il est généreux de nature. Mais l'ange de la vérité a dit, l'homme est plein de contradictions, de mensonges.
le mensonge qui des fois, enfin qui, pour la plupart du temps, veut masquer par la parole la faiblesse de l'homme. Et l'homme est faible, et donc il masque cette faiblesse par le mensonge. Le émettre, la vérité, est quelque chose de difficile à supporter. Chesed v'emet nivkeshu. Tzedek v'shalom nashaku. L'équité et la paix se sont embrassés. L'équité, c'est cette soif que l'homme a de la justice. L'homme n'aime pas l'injustice. C'est pas, non, on ne supporte pas. Et quand on veut justifier, alors on va justifier une injustice par une justice, mais en tout cas, l'homme est toujours épris de justice. Par contre, le shalom, la paix, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce que le shalom vient du mot shalem, qui veut dire la plénitude, être complet. Et l'homme, par le fait qu'il est matière, il n'est pas complet. Il lui manque des choses. Donc l'ange de la paix était contre, l'ange de l'équité était pour. L'ange du chesed, de la bonté, de la générosité était pour, l'ange de la vérité était contre. Deux contre deux, qu'est-ce qu'on fait ? Emet meret zitzmar. Le verset d'après dit la vérité va germer de la terre. Parce qu'on a dit que Dieu a jeté la vérité à terre. Et comme il a jeté l'ange de la vérité à terre, ben, on s'est retrouvé avec deux contre un, deux pour la création de l'homme et un qui était contre. C'est ce qu'on retrouve dans ce verset. Et j'aimerais vous faire écouter ce que je viens de vous décrire. Chesed ve'emet nivkeshu, tzedek ve'shalom nashaku. Je vous laisse écouter par Dédi. Chesed ve'emet nivgashu, tzedek ve'shalom nashaku, emet meretz titzemach ve'tzedek mishamayim nishkach. Chesed ve'emet Tzedek ve'shalom nashaku, emet meretz titzemach ve'tzedek mishamayim nishkach. Gam Hashem yiten hatov. Gam Hashem yiten hatov, ve'artzeno titen yevula, tzedek lefanav ye'alech ve'yaseh. Shalom nashaku, emet meretz titzemach v'tzedek mishamayim nishkach. Chesed ve'emet nivgashu, tzedek v'shalom nashaku, emet
mitmeret titzemach v'tzedek mishamayim enishkav gam Hashem yiten atam ve'artzenu titen yevula tzedek lefanav ye'alech ve'yasem derech ve'ama gam Hashem yiten hatov ve'artzenu titen yevula tzedek lefanav ye'alech ve'yasem לפניו יהלך ויישם לדרך פעמה צדק לפניו יהלך ויישם לדרך פעמה Magnifique interprétation de ces quelques versets de ce psaume 85. Alors, je vous ai dit, on l'a lu ce matin dans les communautés séfarades, près le Shir Shalom, le cantique du jour, le lendemain de Kippour. Mais ce même psaume est lu la veille de Kippour à Mincha, juste avant l'entrée de Kippour, enfin Mincha de Kippour, Ratzita Hashem Artzecha, ce psaume 85. Et parce qu'on est quelque part dans une perspective très particulière. On est à la conclusion des 40 jours. C'est sans lendemain de ces 40 jours de Slichot, 40 jours de Teshuvah, qui vont de Rosh Chodesh Elul, du premier Elul jusqu'à Kippour, que je voulais partager avec vous cette dimension de ces principes de 40 jours. C'est très spécial parce que nous sommes dans cette continuité de 40 jours. On va se concentrer en 4 jours. Les 4 jours, c'est les 4 jours qui sont entre Kippour et Sukkot. On n'a pas de supplication historiquement parce que c'est le moment où il y a eu l'inauguration du Beth Amikdash, du premier temple de Jérusalem par le roi Salomon. Il a commencé l'inauguration le 8 Tishri. Bon, le Tishri, on est encore pendant la Seret Yom Teshuvah, pendant 10 jours de pénitence, il y a Kippour. Et mais au lendemain de Kippour, bien, on fait comme au mois de Nissan, les jours anniversaires de l'inauguration du Mishkan, du sanctuaire, et pas de Taranunim, mais pas de supplication. C'est comme un jour un peu de jour de fête. Et bien, c'est la même chose pour ces jours. Mais c'est aussi parce que ces 4 jours, c'est le concentré des 40 jours qui viennent passer. Et on est dans cette continuité de ces 40 jours. 40, c'est la formation d'un fœtus. On nous dit dans la RAE, c'est même avéré au niveau scientifique. Avant 40 jours, eh bien, la vie n'est pas vraiment formée. La formation d'un Vlad, d'un petit dans le ventre de sa mère, c'est au bout de 40 jours qu'il y a quelque chose. Avant, on a dit c'est Maya, Béalma, c'est encore de l'eau, entre guillemets. C'est intéressant parce que Vlad, un enfant, celui qui va naître, Yalad, c'est naître, Vlad, ça fait 40. Alors, 40, c'est quelque chose qui va permettre à la mère de devenir une maman, après ses 40. D'ailleurs, c'est une maman, c'est dit M, et M, c'est 41. Alors, quand elle est porteuse de ce petit Vlad de 40 jours, au 41e jour, eh bien, elle est maman, 41,
M, c'est la maman. Et c'est intéressant parce qu'après, quand le bébé eh bien, sort du ventre de sa mère et qu'il va être nourri par du lait de sa mère, et halav, le lait, eh bien, c'est aussi 40, het 8, la mètre 30 et bête 2. Alors c'est cette relation de cette naissance qu'on retrouve au niveau de la Torah, parce que Moshe Rabbeinu, pour recevoir la Torah, eh bien, il est resté 40 jours. Déjà la première fois, entre la fête de Shavuot et le don des premières tables de la loi, pendant 39 jours, il étudiait, et il oubliait. Et il n'avait pas mangé l'echem l'okhalti, ou mayim l'okhalti, du pain je n'ai pas mangé, de l'eau je n'ai pas bu. C'est ce que dit Moshe quand il était dans le Sinaï. Nous, on a eu un jour, hein, comme ça. Hein, le jour de Kippour, c'est déjà difficile. Ben, Moshe, c'est 40 jours pour recevoir la Torah, pour nous amener la Torah. Mais quand il arrivait à ce raffinement de son corps, alors il a reçu la Torah et là, il pouvait la retenir. Et jusqu'au point que Karan, Or Panav, le visage de Moshe est devenu rayonnant. Karan, c'est devenu rayonnant. Il n'avait pas des cornes comme Michel-Ange a pu. Non. Vaïreou, Migeshet, pas Vaïreou. Ils n'ont pas vu, ils vaillirent où ? Ils ont eu craint, ils ont eu peur de se rapprocher de Moshe. Et ça, c'est important, ce principe de 40, même de révision sur un principe de 40. C'est le secret du souvenir. On voit quand, dans Gemara, on nous dit que Rav Ashi, quand il recevait un enseignement de Rav Kahana, eh bien, Tanamine Arbain Zimnin, il le répétait 40 fois. Et ça ressemblait comme si il avait dans sa poche. Et il le retenait. On voit dans la Maseret Brachot à propos de Rav Zera ou dans le traité Ta'anit à propos de Resh Lakish qui répétait leur étude 40 fois. Parce que Moshe était 40 jours pour recevoir la Torah. 40 jours, 40 ans, oui, il va avoir cette notion de Dor, Dea, cette génération qui va recevoir la Torah, qui va rester pendant 40 ans dans le désert, c'est Midbar, c'est Medaber, c'est la notion de cette parole. Et il va avoir aussi cette notion de 40, mais 40 multiplié par 3, Moshe va vivre 3 fois 40 ans, parce qu'il va recevoir la Torah en 40 jours. Le lien 40 ans, 40 jours, on le voit avec les Meraglim, les explorateurs qui ont visité la terre d'Israël pendant 40 jours, et l'exil, enfin, ils vont errer dans le désert à cause de ça pendant 40 ans. Mais les 3 fois 40 ans, très intéressant, on retrouve 4 grands maîtres qui ont vécu 120 ans. C'est Moshe, Hillel Azaken, Rabban Yochanan Ben Zakkai et Rabbi Akiva. Ces 4 ont vécu les 4 120 ans et les 4 ont eu une vie qui était composée de 3 périodes de 40 ans. Moshe, alors d'après un Midrash, c'est pas d'après tout le monde, certains disent c'était moins de 40 ans, c'était 20 ans, mais d'après un Midrash, Moshe a vécu pendant 40 ans dans le palais de Pharaon. Pendant 40 ans, il était à Midian où il était à Kouch, et il était donc à l'extérieur du palais de Pharaon. Et tout ce qu'on connaît de l'histoire de Moshe en dirigeant les enfants d'Israël, c'est les 40 ans, puisqu'il a 80 ans au moment de la sortie d'Égypte. Et donc c'est 3 périodes de 40 ans que Moshe a vécu. Hillel Azaken, Hillel l'ancien, a vécu à Bavel jusqu'à l'âge de 40 ans, et puis après de 40 à 80 ans, il était à servir les sages en Israël. C'est toujours très important d'apprendre, de recevoir Shimesh Rachme Israël. Et pendant 40 ans, il va diriger le peuple d'Israël. Rabban Yochanan Ben Zakkai, qui va vivre à l'époque de la destruction du deuxième temple. Rabban Yochanan Ben Zakkai, pendant 40 ans, eh bien, il va être commerçant. Il va être à Sagbe Brakmatia. Et puis après, pendant 40 ans, il va servir les sages, il va apprendre auprès des sages tout ce qu'il faut. Et pendant 40 ans, il va diriger le clan d'Israël. Rabbi Akiva, pendant 40 ans, il était un ignorant. Oui, ignorant. Il était un berger, simple. Et puis il va se mettre à apprendre. Et puis après, pendant 40 ans, il va étudier et servir les sages. Et pendant 40 ans, il va diriger le clan d'Israël. Ces 4 maîtres, Moshe Rabbeinu, Hillel Azaken, Rabban Yochanan Zakkai, Rabbi Akiva, on retrouve cette dimension de 40. Alors 40 ans, 40 jours, 40 jours avant la formation d'un fœtus, on lui dit bat pluni pluni, une telle va se marier avec un tel, la fille d'un tel va se marier un tel. Il y a ce principe de 40 jours des prières que on peut faire au Kotel, de 40 jours de prières sur le kever de Rachel Menou, de 40 jours on fait le psaume 119 en composant les lettres Baït, par exemple, la maison. Il y a des programmes qui sont extraordinaires. Ce principe de 40 jours, on le trouve avec le Maboul, le déluge qui a duré 40 jours et 40 nuits, que Yaakov a été embaumé pendant 40 jours,
On nous dit de Jacob Lomet, il n'est pas mort. On retrouve ces 40 jours aussi avec le Philistin, Goliath, qui va braver les armées d'Israël pendant 40 jours. On retrouve Eliyahu Nevi dans le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 8, où il est marqué qu'il a mangé, et de cette nourriture, il va tenir pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Il y en a qui annoncent aux gens de Ninive, c'était la Haftara qu'on a lu hier, que dans 40 jours, la ville de Ninive sera retournée. Alors ce 40, ça peut tout changer. Intéressant, parce que la purification, elle passe par le bain rituel, le mikvé. Et le mikvé est composé de 40 CA. 40 CA, c'est donc la mesure d'eau d'un mikvé. Et quand on le traduit dans une autre mesure toujours hébraïque, qui c'est les lugines, un log, c'est donc une quantité d'eau. Vous savez, quand on va faire Netziat HaDeim, par exemple, on va utiliser un quart de log. C'est le log, c'est souvent un peu cette référence. Or, vous avez 24 logs dans une CA. Donc, 24 logs dans une CA, il y a 40 CA dans un mikvé, c'est-à-dire que le mikvé, composé de 40 CA, est composé de 960 logins. C'est intéressant parce que c'est rapport des jours aux heures. 24 heures dans une journée, et donc quand on sort de Kippour, on sort de 960 heures de Teshuvah. Et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, et que je voulais vous faire partager en ce lendemain de Kippour, à cette conclusion de ces 40 jours, et qui nous prépare d'un Shabbat, qui nous prépare à la fête de Sukkot. Alors, les jours entre Kippour et Sukkot, c'est 4 jours, donc c'est concentré. Et Sukkot elle-même, c'est une fête qui dure en fait 8 jours. En fait, il y a 7 jours de Sukkot et Shmini Atzeret. D'après la Torah, il y a déjà un 8e jour. Donc, 2 fois 4, on retrouve cette relation avec qui est décuplée au niveau de la force, au niveau de la Kedusha, au niveau de la sainteté. Alors voilà, je voulais vous faire partager cette réflexion sur les 40 jours, 40 ans, et de cette relation en ce lendemain de 40 jours de Rosh Chodesh Elul à Kippour. Ce lendemain, il nous prépare à Shabbat. Et c'est très important, la préparation. On dit que les 4 jours qui nous préparent à Sukkot, on n'a pas le temps de fauter. On n'a pas le temps de fauter. C'est-à-dire que pendant Sukkot, on peut fauter. C'est-à-dire que la préparation à une fête est d'une force particulière. Donc la préparation à Shabbat est extraordinaire. C'est pour ça qu'on accueille tous les Shabbatot avec la même simcha, la même joie. Il est temps pour moi de vous donner rendez-vous lundi pour une émission spéciale Sukkot, et pour l'heure de vous souhaiter Shabbat Shalom, Guit Shabbos, Shabbat Shalom Mevorach, et de vous laisser en compagnie d'Uriel, Uriel Elbilia, pour accueillir le Shabbat avec Lecha Dodi, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Philippe et Gmar Chatzima Tova. Chadodi likrat kala, peni Shabbat nekabela. Lechadodi likrat kala, peni Shabbat nekabela. Shomor vezachor bedipurecha, ishmi'anu el hameyucha. Amonai echa, shmo echa. Shabbat nekabela, lecha dodi likrat kala, peni Shabbat nekabela. Likrat Shabbat elechu ve'elecha, ki mekor haberacha, merosh mikedem nesucha, sof ma'ase b'machshava techila. Lecha dodi likrat kala, peni Shabbat nekabela, lechadodi likrat kala, peni Shabbat nekabela.
Shabbat
דודי לקראת קנדה אל בני שבת נקה